si Popcorn Studio vous propose une dégustation, dites non. Oh, oh, oh. Ça sent le paix quand même. Ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode de cette étrange dégustation. Et aujourd'hui, nous avons un invité extraordinaire pour cette nouvelle saison. J'ai nommé les Questions Geeks. Salut. Et aujourd'hui, dans cette étrange dégustation, nous allons déguster du chat. Nous n'allons pas manger du chat, nous allons manger des vers à soie. Tiens Maud, bon appétit. Mais voyons, n'hésite pas, c'est délicieux. Mais dis-moi Popcorn, des vers à soie. Dis-moi Popcorn, qu'est-ce qu'il y a de choix? Les vers à soie sont en réalité des chenilles qui deviendront plus tard des papillons. Ces papillons se nomment Bombyx mori et cette espèce est originaire du nord de la Chine. Elle est élevée et produite pour sa soie. Ce que l'on consomme, c'est le vers à l'état de chrysalide, quand la chenille se prépare à devenir papillon et qu'elle forme un cocon. Ce cocon est ensuite bouilli dans de l'eau pour permettre à la soie de se filer et c'est alors que le vers est récupéré. Le vers à soie se consomme bouilli, séché ou sauté. Et on le trouve fréquemment en brochette dans les marchés asiatiques. Maintenant qu'on sait comment c'est préparé... Aujourd'hui, je vais vous préparer des vers à soie façon burritos. Et pour cela, il vous faudra des wraps dont la recette est très simple. Prenez de la farine, du sel, de la levure chimique, de l'eau tiède, de l'huile et du jus de citron. Pétrissez la pâte et laissez-la reposer au frigo 30 minutes. Voici maintenant la recette en images et en musique. Et voilà Maud, je te présente une petite recette, c'est un wrap roulé au fromage et au vers à soie. Bon appétit! La recette de popcorn est pas mal, mais à choisir j'aurais pas mis les insectes, non c'est dommage. Je crois qu'il y a un problème dans la recette. À quoi ça te fait penser quand tu manges ce genre de rouleau? Tu veux vraiment savoir? J'ai un doute. Ça sent le paix quand même. Si Popcorn Studio vous propose une dégustation, dites non. De quoi? Ouais. C'est excellent. Cette recette est magnifique, voyons. Pour vraiment définir le goût du vers à soie, c'est assez compliqué parce que c'est pas un goût réellement qu'on connaît. C'est... étrange. Ne mangez pas. Est-ce que ça te plaît? C'est délicieux. Mais rappelle-moi de plus manger chez toi. Mais non, comment peux-tu dire ça? Non, c'est... Ouais, non, c'est différent. C'est très différent de ce qu'on a mangé d'habitude. Ça a pas l'air d'avoir plu à mon invité. Je comprends pas. Je trouve ça délicieux. C'est très bon. C'est très délicieux. Mais je... Voilà. J'en prendrai pas d'autres. Ah bon? Il y en a encore un pour toi. Ah ouais? J'aime plus ça. Bon appétit! Et voilà, l'épisode est terminé! Et au cas où vous vous posez la question, les insectes viennent du site internet Insectéo. De plus, je tenais à remercier très chaleureusement les Questions Geeks. Elle a une chaîne super, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Pour finir, si vous n'êtes pas au courant des news qui sont assez énormes parce que j'ai créé avec mon cousin un jeu de société, je vous conseille d'aller voir la vidéo de mercredi qui explique tout. D'ici là, je vous dis rendez-vous, même heure, la semaine prochaine, pour le premier épisode de À Votre Table. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Moi, je n'aide pas la nature. Action.
qui a tout mangé. Alors, dis-moi, Mose.